Également dans ce journal de la religion, avec la mission Jésus-Christ et la réponse qui vient d'offrir une journée récréative aux leaders des fédérations des églises des communes de Libreville et d'Ovendo. C'est au tour d'un petit déjeuner que les responsables de JCR ont annoncé une fois encore l'organisation prochaine de la méga manifestation 2017. Le point avec Wilfried Mpigabwamba. Les images sont de Arnaud Menguet. Moment de retrouvailles et de partage, placé entre les mains du Christ Sauveur, instant bien choisi par le révérend Gaëtan Piébi, qui, face aux leaders et autres serviteurs de Dieu, a invité les uns et les autres à s'investir davantage pour l'édification du corps du Christ, conformément aux Saintes Écritures dans Éphésiens chapitre 4. Non sans revenir sur la 6e édition de la méga manif, événement favorable à la croissance et à l'unité des cinq ministères. L'une des missions des enfants de Dieu, c'est de toujours se retrouver autour de la fraction du pain pour justement affermir nos liens d'amour en Christ. Maintenant, ce petit déjeuner, c'est un petit déjeuner de travail pour préparer cette grande manifestation qu'est la méga manif. Plusieurs sommités du monde religieux venant d'Amérique et d'Afrique prendront une part active à la dite manifestation, à l'exemple du chantre Jean-Jean, canadien déjà présent en terre gabonaise. La vision du pasteur et de l'équipe entière, c'était simplement d'inviter Jean-Jean et de venir participer à l'événement qui va se faire durant toute la semaine qui arrive. Et on veut venir apporter main forte pour célébrer le nom de l'Éternel ensemble, et on croit que ça va vraiment être quelque chose de puissant. Il s'agit ici, et pas seulement de JCR qui a eu la vision, JCR n'a fait que saisir la fréquence de l'Esprit de Dieu, mais c'est une vision du corps. Donc toutes les églises sont mobilisées, tous les fidèles sont mobilisés à prendre part à cette méga manif. La méga manif 2017, c'est aussi une fenêtre de partage d'expérience pour renforcer la passion afin de gagner des âmes. Elle tiendra ses assises du 23 au 27 août 2017.